Paul TV aujourd'hui à Béthune, salle Louchard, pour futsal Béthune, opposé à Bruyères, hein, dans la région de Bordeaux. Et bien voilà, encore un habitué avec nous maintenant, la maison Sergique, hein, Sergique. Et le prénom ? Stéphane. Ah ben voilà, Stéphane, alors, c'est la deuxième fois qu'on interviewe, maintenant on y prend goût, hein, sur Opal TV, n'est-ce pas ? C'était pas mal la dernière fois. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, on va faire une interview avec un client, si on peut appeler ça comme ça, hein, oui. Un peu particulier, parce que des clients comme ça, c'est quelque chose pas normal, mais on trouve ça tous les jours. Qu'est-ce qui se passe avec ce client ? Bah effectivement, donc Sergique Béthune héberge un certain nombre de joueurs et Cerdan, que j'ai invité aujourd'hui à assister au match, est un des propriétaires qui héberge les joueurs du club. Alors, il y a qu'une casquette comme ça, on suppose que c'est un hébergement un peu particulier ? Oui, bah voyez-vous, je suis de Béthune, mais je suis à la fois marinier et capitaine en même temps de ma péniche, quoi. Et je suis encore en activité à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est comme péniche ? Ah ben, c'est une péniche 38 mètres. 38 mètres 50 sur 5 mètres de large. Ouais, c'est la mesure traditionnelle, ça. Pour qu'est-ce qui est petit gabarit, oui. Mais pour grand gabarit, pour Seine-Nord, il y a des péniches de 1000 et 2000 tonnes. Disons qu'on est dans les gabarits petits, nous, quand même. Hein. Et vous êtes acquis à Béthune, alors ? Oui, on est acquis à Béthune, voilà. Alors, la particularité, c'est que vous avez des logeurs, c'est ça, vous dites ça comme ça ? Oui, bah, c'est-à-dire c'est monsieur... Stéphane qui donc qui loue mes maisons donc pour moi là voilà. Comment ça se passe ? Bon, c'est vrai que c'est toute l'équipe. On va redonner rebondir sur Stéphane. Comment ça se passe pour les logeurs ? Alors, on a un partenariat avec le club. Et dès qu'un joueur a besoin d'être hébergé sur le secteur de Béthune, on lui trouve une maison. Bon, il se trouve que Cerdan a plusieurs biens sur Béthune. Donc, c'est au cas par cas. Voilà. Alors, il y a des biens flottants et puis des biens... Exactement. c'est le cas de le dire. Ah, c'est un peu particulier quand même. Ben oui. Ben, j'ai fait ça depuis tout le temps, quoi, depuis le temps que j'ai une quinzaine d'années. Voilà. Vous avez passé dans le livre des records, peut-être, hein, avec un bien flottant, c'est pas... Un bien flottant, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça rend service à beaucoup de gens, la preuve, hein, donc... Bah oui. Bon, à travers ça, bien sûr, la maison Sergique qui va représenter, un petit peu se représenter, comment se retrouver si un jour on a besoin d'un bien flottant, on est obligé de passer par vous, hein, Stéphane. Bah voilà, c'est pas la seule spécialité de l'agence, hein, qui est située en centre-ville de Béthune, où on fait les quatre métiers de l'immobilier, hein, la location... On gère les biens comme ceux de Cerdan, le syndic de copropriété et la vente. Alors, le monde de la marine, hein, c'est un peu un monde particulier, mais vous avez été marinier pendant combien de temps ? Oh bah écoutez, depuis l'âge de 15 ans, et j'ai 67 ans, donc, et je navigue toujours actuellement. Il y avait à Béthune, c'est le bureau d'affrètement qui avait voilà, été. Mais ça a été supprimé depuis déjà pas mal X d'années, hein. On aime bien refaire un petit peu l'histoire, les gens ne savaient pas comment ça se passait justement. Enfin, bon, vous étiez là, attendre, bon je prends, je prends pas pour affrêter. Exactement, c'est ce qui se passait voilà, à cette époque-là. Hein. Après, évidemment, avec la modernisation et puis la liberté, surtout ça qui s'est passé, la liberté, on a supprimé. Voilà. C'est vrai que c'était un peu, c'était quelque chose d'original. Moi je me souviens avoir été à... d'affrètement. Bon, il y avait quelquefois la foire d'empoigne parce que bon, hein, ouais. Pas toujours, tout le monde n'était pas toujours content. Ah non, c'est vrai, bon. Eh bien, merci hein, donc, d'avoir venu nous retrouver sur Opal TV. Et maintenant, Stéphane bien, est un habitué. Peut-être la prochaine fois encore avec un bien un peu particulier. Oui, bah rendez-vous surtout le 2 décembre en espérant que cette fois-ci on aura la victoire au bout. Oui, voilà, on va reparler quand même du match. C'est vrai, bon, c'était un peu intensif. Hein. C'est un magnifique match. Ah ben, c'est vrai, bon, Béthune aurait pu gagner parce que, bon, on savait que c'est comme tout, des ballons sur le poteau, mais ça, c'est le jeu, hein, on n'y peut rien. Donc, mais bon, finir quand même match nul, on a soufflé. Hein. Et une minute de trop, malheureusement. Une minute de trop. Merci, alors on va quand même pour retrouver la maison Sergique, comment on fait ? On l'a déjà dit, mais ça ne coûte rien de le répéter. Donc sur la grande place de Béthune, du lundi au samedi, pour tout ce qui concerne donc, les locations, la gestion des biens, le syndic de copropriété et puis les ventes. Merci Stéphane, et puis à retrouver cette interview sur Opal TV et puis peut-être aussi maintenant sur la péniche. Hein. Ah ben, ça existe. Merci. Merci. Allez.